Bonjour tout le monde et bienvenue sur lamagiedesetangs.com. Je vous montre rapidement un projet que j'ai fait pour mes petits-enfants. Donc, dans le catalogue ici, en toute occasion, Stampin' Up 2018, vous avez la collection Au pays de l'imaginaire qui est constituée d'un super jeu d'étampes qui va avec des poinçons Big Shot, donc des framelits. Vous avez également des papiers à paillettes colorées, du washi tape et des super beaux papiers design qui sont vraiment très très beaux. J'en ai pratiquement plus, donc c'est difficile de vous les montrer, mais ils sont vraiment superbes parce qu'ils ont ils sont comme gaufrés en brillance et en transparence et en brillance également. Donc pour vous donner une idée du jeu des tempes, je n'ai pas mis mes étiquettes. Il y en a qui m'ont dit: comment ça se fait que tu mets plus tes étiquettes? Je pense que j'ai reçu 20 jeux d'étampes en même temps que je me suis commandé et j'ai fait ma paresseuse. J'ai pas collé mes étiquettes, mais d'un autre côté, je trouve que ça colle encore plus rapidement sur les blocs transparents. Donc, je suis en train de prendre le goût à ne pas mettre les étiquettes, quoique je préfère quand il y en a pour voir vraiment. Mais bon, vous avez les framelits ici et je vous montre tout de suite le projet que j'ai fait. Et là, ça m'a pris environ 2h30 de travail pour faire ça. Alors, si vous voulez faire la même chose, faut que vous ayez du temps de libre, parce que c'est il y a beaucoup de petits détails. Alors, ici, la page couverture, j'ai appelé ça « Apprends à compter avec ». Et ça, c'est imprimé sur du papier murmure blanc de mon imprimante. Et apprends à compter avec Mamika. Alors, c'est tout simplement parce que ma petite fille, qui avait de la difficulté à dire mon nom, a commencé à m'appeler Mamika. Et puis, c'est resté comme ça parce qu'on a tellement trouvé ça beau. Ça fait Mamie, mais ça fait Marika en même temps. Donc, on a bien ri. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça. Ici, remarquez, c'est vraiment étampé. C'est toute d'une pièce. Ce qui me permet de faire ça, c'est le jeu d'alphabet, End Lettered Alphabet. Donc, vu qu'il est transparent, ça va très, très bien pour lier nos lettres ensemble. Alors, j'ai bien aimé ça, faire ça. Chaque page de ce petit livret, ici, contient des éléments qui sont gaufrés avec mes plioirs à gaufrage dans ma Big Shot, parce que je trouve ça important pour les enfants d'avoir des stimuli visuels, mais aussi de la texture. Et les plioirs à gaufrage me servent à ça. Ici, ce sont des rubans Stampin' Up! Qui sont en vigueur présentement. Autour d'un anneau. Dans le fond, on trouve ça chez Bureau en gros. Et puis, j'ai mis des brillants, bien sûr. Alors, on y va. La page 1, j'ai imprimé des phrases. Mon mari a vraiment ri parce que je mets toujours des qualificatifs. Donc, un gentil dragon vert. Ici, plioir Big Shot, c'est les petits froufrous là, qui imitent la terre. J'ai du gaufrage à la chaleur, j'ai de l'ancrage, j'ai colorié tout ça au Stampin' Blends. Tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, deux douces licornes roses et les petits brillants, la texture, le gaufrage. Trois sirènes endormies. Encore là, on a le papier design. Vous pouvez voir, je pense que vous allez pouvoir voir les petits éléments qui arrivent comme ça, les gaufrés en transparence et il y a des brillants dedans. Quatre magiciens sérieux. Alors, j'ai pas appelé ça des sorciers. Je me suis dit, ils sont petits, là, on va dire des magiciens. Et je les ai coloriés de couleurs différentes. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ça, mais il ne faut pas oublier que plus on fait de pages, plus on a d'éléments coloriés. 5 chevaliers souriants. Ici, pour le bouclier, j'aurais pu rajouter, j'y ai pensé après, là, de la couleur au lieu de mettre tout ça en gris, mais dans ma tête, c'était comme, ben, c'est métallique, ça va être en gris. Mais j'ai manqué un petit peu d'imagination, là. Mes petits-enfants vont peut-être me le dire. Et puis, 6 hippocampes qui nagent dans l'eau. Encore là, on voit le papier design. Alors, tout ça, là, ça a l'air de rien, mais ça m'a pris un bon 2h30. Et je suis très, très contente parce qu'ils vont aimer ça, feuilleter ça avec leurs petites mains. Puis, on va apprendre à compter ensemble, du moins jusqu'à 6. Je pourrais poursuivre, bien entendu, et vous aussi à la maison. Si vous voulez plus de détails, j'ai pris beaucoup de belles photos. Allez sur lamagiedesetampes.com, vous allez tout trouver. Bonne journée!